Hello à tous les loulous, c'est Max Coach Minceur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir avec vous le témoignage d'une de mes anciennes, de mes coachées, qui a voulu vous livrer un peu les avantages et les inconvénients du coaching à distance. Donc je suis pas tout seul. Bonjour à toi Caro. Ça va? Ouais, nickel. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions très simples, hein, ne t'affole pas, il n'y a pas de théorème de Pythagore ou autre chose. Mais voilà, je voulais juste te poser quelques questions. Alors déjà, peux-tu nous dire comment tu m'as connu exactement? Eh bien, figure-toi que je cherchais depuis un petit moment sur Internet des solutions pour stabiliser mon poids, pour faire quelque chose pour une fois d'efficace. Voilà, donc j'ai D'accord. connu ton site via Facebook Ouais. sur en fait, j'ai cliqué dessus, j'ai pris contact avec toi et c'est comme ça qu'a démarré notre histoire de coaching. Ouais, tout à fait. Et si tu étais sur ce groupe, en gros, comment tu es venu sur ce groupe? Quelle était ta problématique? J'avais déjà essayé une diététicienne, je n'étais pas satisfaite des résultats. D'accord. Et donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, suivi surtout avec un peu plus de suivi, puisque voilà, la diététicienne, je la voyais une fois par mois et j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de soutien de ce côté-là. D'accord. Ça a pas été vraiment efficace, c'est ça? Voilà, on m'a donné un régime, on m'a demandé de le suivre, sauf que bon, quand t'arrives chez toi et que t'es tout seul, c'est beaucoup plus compliqué de Ouais. mettre tout ça en place tout seul et de trouver la motivation pour s'adapter à ce changement, à des changements alimentaires. Donc ça faisait Souvent, beau. voilà, Ouais. souvent drastiques, souvent pas appropriés ni à mon emploi du temps, ni à mon style de vie. J'ai aussi des enfants, donc je peux pas non plus bouleverser toute l'organisation de la maison parce que moi je veux maigrir. Ouais, bien sûr. Tu as deux enfants, c'est ça, je crois. D'accord. Bien souvent, les gens qui ont des enfants ont une certaine problématique au niveau du temps. Peux-tu nous dire, toi, comment ça s'est passé par rapport à tes séances de sport? Comment ça s'est passé, en gros? Grâce à ton soutien déjà, parce que bon, faut dire quand même qu'on a été en contact quotidiennement, tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu as répondu à toutes mes questions. J'ai réussi à m'organiser assez rapidement pour planifier avec tes conseils mes séances de sport. D'accord. J'ai réussi aussi à intégrer voilà, mon nouveau mode alimentaire en fait à toute ma famille, puisqu'il n'est pas du tout drastique. Il me met pas en carence. C'est pas du Weight Watcher, c'est pas ce genre de régime yo-yo qu'on a toutes connu et qui n'est pas du tout adapté au reste d'une famille. On peut pas donner voilà du Ducan à des enfants, c'est clairement pas possible. Alors que toi, ton alimentation, voilà, c'est un rééquilibrage alimentaire vraiment et c'est pas du tout des plats préparés ou des choses qu'on consomme, qu'on achète sur Internet. C'est pas du tout ce genre de choses-là. C'est vraiment manger sainement et donc ça s'adapte parfaitement à ma famille. Effectivement, moi quand je vois dans les groupes, si tu veux, le nombre de personnes qui font, sans trop les citer, le secret du poids, du camp, etc., moi ça me fait un peu peur dans le sens où ces régimes ne sont pas adaptés à tout le monde et même sont adaptés à une minorité puisqu'ils entraînent de fortes carences et comme tu dis, l'effet yo-yo, c'est-à-dire que ces régimes ne sont pas tenables sur la longueur et donc dès qu'on va arrêter, on va reprendre les kilos qu'on a perdus. Donc ça, Tout à fait. c'est un peu dommage Tout à par fait. Moi, rapport à ça. j'ai eu cet effet yo-yo Ouais. justement du régime où pendant un mois, tu es content parce que tu as perdu presque 10 kilos sur ton régime. Mais par contre, dès que tu arrêtes effectivement ces produits-là et que tu reprends ton rythme de vie normal, on va dire, enfin, alors, ton ancien rythme de vie, tu as forcément. Déjà, tu te rends compte que tu as des carences. Ensuite, tu continues d'être harcelé par tes vendeurs parce qu'on continue d'essayer de te vendre des produits, Ouais. comme sur tout Internet en fait, hein, même sur les groupes, sur Facebook. Voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de publicités mensongères et de la désinformation sur des actions minceurs qui sont absolument pas efficaces et qu'il faut absolument bannir, puisqu'on repart à chaque fois dans cet effet yo-yo qui ne stabilise absolument pas la situation sur du long terme.
Effectivement, et c'est vrai que, alors moi j'alerte un peu tout le monde là-dessus, c'est que dès qu'on vous propose un produit miracle, grosso modo, vous perdez 10 kilos en une nuit. Alors, après j'extrapole, hein, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est qu'on essaye de vous vendre du rêve, mais que, retenez bien une chose, c'est qu'on trouve tout dans l'alimentation avec des efforts, enfin un minimum d'efforts, on arrive à perdre du poids durablement, mais sans effort. Ça n'existe pas. Donc, et un produit vendu en libre-service comme ça, qui n'est pas donné avec une ordonnance, n'a aucune substance active. Donc, ne marchera pas quoi qu'il arrive. Donc, à part l'effet placebo, il n'y a rien d'autre qui va marcher. Donc, faire très très attention à ça, aux vendeurs de rêves. Et il y en a énormément sur Internet. Mais voilà. Tout à fait. Quand Et ouais, oui, dis-moi. tu parles d'efforts, effectivement, que ce soit du camp ou étoile cherche, de toute façon, tous ces programmes, ça demande quand même un effort alimentaire puisque ça n'a pas du tout les mêmes valeurs, on va dire, gustatives que ce qu'on a l'habitude de consommer. C'est pas ça non plus. Et c'est démotivant au final. On fait des efforts tant qu'ils payent. C'est ce que j'ai apprécié dans le coaching que j'ai fait avec toi, c'est qu'on fait des efforts, oui, mais là on voit un résultat vraiment et il est durable. On D'accord. réapprend l'alimentation, on réapprend vraiment à se nourrir normalement et on puise tout en fait dans notre alimentation au quotidien. D'accord. Parce que, grosso modo, quelle a été ta perception du coaching? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, moi, j'ai vraiment apprécié d'avoir ce suivi avec toi régulier et de ne pas me sentir lâchée voilà, dans un nouveau programme où je savais que j'allais abandonner parce que j'avais pas de motivation. Là, tu as vraiment su motiver, m'encadrer, réaugmenter à chaque fois voilà, mon programme sportif pour le remettre à chaque fois au niveau que j'avais atteint ou mes programmes alimentaires aussi que tu changes régulièrement pour te réadapter à mes besoins. Donc il y a vraiment une relation tous les jours et c'est vraiment une motivation malgré la distance. Pas du tout un frein. Au départ, je pensais que le fait d'être loin et de faire un coaching comme ça à distance, ça allait être plutôt négatif. En fait, pour moi, c'est un vrai gain de temps parce que j'ai plus à me déplacer chez ma nutritionniste ou aller chercher des gélules miracles qui ne marchent pas, et c'est un gain d'argent aussi, forcément. Ok. Donc je voudrais revenir sur ce que tu me disais là par rapport à la relation de tous les jours. Moi, quand j'ai créé ce coaching et cette offre, c'est justement ce que moi j'ai pas pu trouver quand je voulais perdre du poids à l'époque. Maintenant, il y a déjà plusieurs années avant que je sois coach minceur, mais c'est ce que je n'ai jamais trouvé comme offre, c'est-à-dire quelqu'un qui me suit tous les jours. Parce que grosso modo, quand on est cadré plus ou moins tous les jours et qu'on a des comptes à rendre, entre guillemets, hein, même si je tire pas les oreilles des gens, mais grosso modo, quand on a des comptes à rendre à quelqu'un, eh ben c'est beaucoup plus motivant de se sentir soutenu, de se sentir cadré et de sentir que bah oui, il y a quelques barrières où grosso modo, si on y va, on a une petite remontrance, même si aujourd'hui j'ai une relation vraiment Oui, après, c'est même de pas la collaboration, quoi. remontrance, je pense. Ouais. Je pense que c'est même pas la remontrance. Comme tu nous le dis, on planifie nos écarts. On n'est plus du tout sur ces contraintes alimentaires drastiques. Après, il y a vraiment un partenariat entre toi et moi, enfin, en l'occurrence, pour ce régime-là. C'est vraiment voilà, une motivation, vraiment une motivation de savoir que tu vas recadrer, tu vas pas non plus, voilà, comme tu dis, il n'y a pas de choses qui sont derrière, mais il y a cette motivation on a cette obligation, nous, de se mettre à fond dans le coaching parce que on se sent soutenu et que ça fonctionne, simplement. Exactement, exactement.
Oui, je voulais revenir sur ce point-là, qui est le rééquilibrage. Donc, le rééquilibrage personnalisé que je propose. Alors, c'est un rééquilibrage, ce n'est pas un régime. Donc, ça réapprend en fait à prendre les bonnes habitudes alimentaires. Et grosso modo, il n'y a pas de réelle grosse interdiction, etc. Le tout, c'est de faire des écarts, mais au bon moment, qui est la bonne fréquence, et que ça soit pas quotidien, puisque faire des écarts tous les jours, bah, c'est plus des écarts, quoi. Ça devient une habitude. Donc voilà, faut bien prendre conscience de la chose, c'est que du moment où c'est hyper restrictif et hyper drastique, ça ne marchera pas tout On simplement, abandonne. puisque voilà, vous abandonnerez de toute façon. Ok, et quel a été le résultat? Qu'est-ce que ça a donné, grosso modo, ce coaching? Alors moi, je t'ai suivi, enfin tu m'as suivi et notre partenariat, enfin moi je pense surtout que je t'ai suivi parce que tu es un booster pendant 9 mois Merci. pour une perte totale de poids d'un peu plus de 25 kilos. Enfin, mes grossesses, voilà, avaient laissé quelques traces. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à me réalimenter normalement. Et j'avais pris une bonne trentaine de kilos qu'aujourd'hui j'ai complètement perdu, qui sont stabilisés grâce à ton coaching. D'accord. Bah, déjà, félicitations à toi, parce que c'est vrai que c'est une perte de poids qui est très conséquente. Et tu as réussi à garder les habitudes du rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est un rééquilibrage alimentaire réussi. Et par ton témoignage, ce que j'aimerais transmettre aux gens, c'est que vraiment ne pas croire que faire un rééquilibrage pendant un mois va vous faire perdre 10, 20 kilos, ça se fait vraiment sur la longueur, ça respecte la santé du corps. Plus vous allez vite, plus vous avez des chances de faire un effet yo-yo et d'avoir des problèmes de santé. Aujourd'hui, le rythme moyen lors d'un rééquilibrage, c'est 1 kilo par semaine, mais pas plus. Et même, il y a des phases de stagnation, il peut y avoir des semaines où vous ne perdez strictement rien, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, ce n'est pas inquiétant. Par contre, si pendant 3 semaines, vous perdez rien, là, effectivement, il y a des choses à changer. Et c'est pour ça que j'intensifie en fait fréquemment les programmes, que ce soit rééquilibrage alimentaire ou programme sportif, pour justement ne pas avoir cette stagnation qui peut se trouver, enfin une stagnation qui peut durer. Donc voilà, pour finir, parce que sinon, ouais, dis-moi. Ouais. Je vais rebondir, c'est que Oui. tu m'as souvent répété au début de mon coaching d'abandonner ma balance Oui. pour centimètres. Effectivement, je sais combien j'ai perdu, puisque bon, ça a été calculé quand même au fur et à mesure, mais la balance, c'est vraiment pas un ami, quoi. C'est pas un ami, c'est quelque chose qu'il faut bannir pendant le régime. Il faut vraiment se fier aux photos et aux ressentis. C'est lui qui parle vraiment. Effectivement, ouais, ça va être photos et mesures qui vont parler, puisque de toute façon, moi je fais un programme sportif adapté au niveau sportif des gens. Donc effectivement, il y a une prise de masse musculaire, même si personne ne va ressembler à Arnold Schwarzenegger. Ne vous en faites pas, c'est juste pour tonifier en fait tout simplement la silhouette et avoir une allure un peu plus athlétique. Et le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc il se peut que il y ait des coachés qui ne perdent pas de poids, c'est-à-dire qui restent à leur poids, mais qui éliminent la graisse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, puisque votre poids aujourd'hui, quand vous pesez, vous mesurez votre taux d'hydratation. Donc, votre taux d'hydratation, il faudrait que je dorme un peu plus cette nuit. Votre taux d'hydratation, tout simplement la graisse et le muscle. Donc, les trois choses. Donc, votre poids, ce n'est pas seulement la graisse. Donc, ça, il faut absolument le retenir. Ok, merci pour cette. La balance est vraiment une frustration au départ et je pense qu'on a des mauvaises habitudes par rapport à la balance Exactement. et qu'il faut vraiment abandonner ça et écouter tes conseils photos et centimètres parce que c'est Ouais. vraiment là qu'on voit le résultat. Exactement, puisqu'en fait la photo c'est ta silhouette à un instant T qu'on va comparer à ta silhouette d'aujourd'hui. Donc quand on va mettre face à face les deux photos, ça va être beaucoup plus parlant en fait pour toi et aussi pour moi de voir le résultat semaine après semaine. C'est comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très très longtemps, on a son image qui est imprimée plus ou moins dans notre cerveau et il n'est pas rare de rencontrer des gens qui vous disent ah t'as
maigri, ah, t'as grossi, enfin, des choses qu'on, nous, ne percevons pas forcément, mais eux ont une image de nous à l'instant T qui a été imprimée dans leur cerveau, tout simplement, dans leurs souvenirs, et il n'est pas rare d'avoir ce genre de remarques, alors que nous, on n'a pas l'impression d'avoir bougé. Donc, c'est exactement la même chose. Ok, donc on va conclure cette vidéo par une dernière question. Déjà, je te remercie pour ton témoignage qui est très parlant. Et à toi, Max. Ouais, bah écoute, c'était un grand plaisir de te coacher parce que tu étais vraiment une coachée au top, motivée. Et voilà, c'était un réel plaisir de te coacher. Si jamais tu avais, enfin, si aujourd'hui tu as un conseil à donner sur le thème de la minceur, quel serait ce conseil ? Les résultats, c'est les efforts qui payent et simplement de ne pas continuer de penser qu'il existe un produit magique, il n'y en a pas. C'est simplement notre motivation et nos efforts qui font le résultat. Alors comme j'aime bien le répéter, il y a une phrase qui est très parlante, c'est que c'est nos actions de tous les jours qui font notre futur. Et c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, moi c'est pareil, si je mange des pizzas matin, midi et soir, forcément il va arriver la semaine d'après, je vais prendre du poids. Mais ça va être vraiment nos actions du quotidien. Donc aujourd'hui concrètement, à midi, qu'est-ce que j'ai prévu de manger? Ce soir, qu'est-ce que j'ai prévu de manger? Est-ce que c'est des aliments de qualité ou non? Parce que je vois tout le monde qui se focus un peu sur les calories, alors que les calories, oui, c'est une chose, c'est une problématique à prendre en compte, mais si on bouffe que des aliments vides, enfin en calories vides, qui n'apportent aucun nutriment, etc., la perte de poids se fera pas, puisqu'on peut être à 1300 calories en bouffant n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la qualité des aliments qui va vraiment faire en sorte que vous allez avoir une perte de poids ou non, et pas seulement les calories. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à suivre tes conseils. Maman, aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Si, tu vas regarder mes conseils sur le groupe. Tiens, j'en publie tous les jours, mince alors. Je les regarde toujours, mais maintenant le programme alimentaire que tu m'as donné est adapté et complètement intégré à ma vie et donc je l'utilise en fait au quotidien. Écoute, c'est vraiment le but du coaching, c'est que vraiment, même après le coaching, que les gens gardent ces bonnes habitudes pour tout simplement avoir une perte de poids durable et sur long terme, et qu'ils ne reprennent pas les kilos superflus. C'est comme quelqu'un qui fait une opération, toutes les opérations, tout simplement pour maigrir, l'opération ne réapprend absolument pas à bien manger. Donc si la personne mange mal à la base, mais qui a fait une opération quelconque, finira tôt ou tard à reprendre les kilos qu'elle a perdu grâce à l'opération. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une notion qu'il faut prendre en compte, c'est que les études ont montré très clairement qu'au bout de quelques années, on revenait au point de départ. Écoute Caro, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça, pour nous expliquer comment le coaching marchait et comment tu as vécu la chose. Merci à toi, vraiment. Et bravo encore pour le parcours que tu as fait, parce que 25 kilos, c'est pas rien. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Bye, c'était Max, coach minceur.